Madame Djin, Aïssatou Kassé. Et mes amis m'appellent Tanti. Je suis enseignante de profession et aujourd'hui inspectrice de l'éducation, détachée au ministère du Tourisme et des Transports Aériens comme conseillère technique du ministre Alim Sarr en genre. Je suis aussi la coordonnatrice de la cellule genre du dit ministère. Chemin d'école, c'est, je peux dire, un rêve d'enfant que j'ai fini par mettre en œuvre. Enfant, j'ai toujours rêvé d'écrire. Et il faut dire que cet amour de l'écriture m'est venu par les lectures multiples que j'ai faites d'auteurs français comme sénégalais. Et au fur et à mesure que je lisais, ma passion pour la lecture s'aiguisait et ça me donnait davantage envie, moi aussi, de parler société. Chemin d'école s'inscrit dans la problématique de l'éducation pour tous comme un droit inaliénable pour tous les enfants. En tant qu'enseignant, toute ma vie, c'est l'école et ses corollaires, l'école et son environnement, l'éducation des enfants à travers mes multiples statuts. D'abord enseignante créée en mai pendant 10 ans, directrice d'école pendant 10 ans. Je suis aussi à ma 10e année d'inspectrice de l'éducation. Je crois avoir glané assez d'expérience et un vécu de l'expérience par ailleurs qui me permettent de me prononcer sur l'éducation. Donc chemin d'école, le titre est assez évocateur. L'affiche aussi en dit beaucoup. Et il s'agit certes d'une histoire d'enfant qui a eu envie d'aller à l'école, qui n'a pas été inscrite à l'école, qui s'est battue peut-être toute seule pour aller à l'école. Et une manière de taquiner ou bien de titiller un peu l'esprit des jeunes filles comme quoi il faut que l'on soit avant-gardiste de sa propre promotion. Quel que soit l'investi des parents sur l'enfant, quel que soit le choix de l'école, quelle que soit l'offre éducative que le système aurait donnée et la demande sociale, si l'enfant n'a pas ce goût de l'école, aussi ça ne va pas aller. Et que très souvent, ceux qui ont peiné à aller à l'école, qui ont voulu aller à l'école malgré les vicissitudes de la vie, finissent toujours par réussir par l'école. Donc chemin d'école, c'est presque un appel pour les enfants, les garçons comme les filles, surtout les filles. Et pour quand même un amour pour l'école, certes, mais à travers les différents tableaux qui sont mis en branle dans chemin d'école, on perçoit quand même l'abnégation qui est importante pour un développement personnel. Le leadership qu'il faut développer depuis le bas âge et l'engagement dans ce qui nous est confié, les tâches multiples qui nous attendent. Mais à côté de cela aussi, il y a la société. Chemin d'école regorge de tableaux où il est question de la société en tant que telle, comment elle est vécue dans les familles, d'or, les enfants, les interactions. Je dis que des projets avortés comme réussis, etc. Mais l'école aussi, je dis dans le chemin d'école que l'école n'est pas la seule voie de socialisation ou d'éducation. L'école entre quatre murs, je veux dire, puisque il y a plusieurs écoles dans la vie. La rue est une école, la famille est une école. L'école arabe est là, le Dara, l'école française. Mais les interactions que nous vivons, que ce soit dans l'école, que ce soit hors de l'école, tout cela sont des chemins vraiment qui nous mènent vers l'école en quelque sorte. Donc percevez chemin d'école, non pas
comme le chemin physique tracé pour aller à l'école, mais toutes les variables alternatives pour mener à l'école.